de ne pas trop en rajouter. Ça, c'est bien joué également. Pour Agounon, Agounon, le ballon vers la surface, la tête, oh, le poteau. Oh, dommage. De Benjamin Cornier. Magnifique, c'était beau. Et il est passé. La surface, la frappe contrée pour Romain Montiel. Allez, l'ouverture, la longue ouverture avec Repanese, il s'est projeté. Oh, le bon contrôle. Ah, il a presque, il est un petit peu arrêté. Il va pouvoir mettre la frappe. Oh, le but. Non, il, est là, il est hors jeu. Il est hors jeu, Idriss Abba. Sur ce ballon d'Alexandre Kropanes. Avec Thibaut Jacques. Et c'est la mi-temps ici au stade Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse. Du côté du banc de touche. Ça, c'est bien joué également. Il est bon, ce centre. Oh, il est bon. Et le retour à défensif d'Agounon. Antoine Mille qui... Ah, faut la donner, faut la donner. Elle va arriver tout de même au Bressan avec Scaramodino. Il va pouvoir redonner le ballon devant lui à Jeffrey Quarchi. À Jeffrey Quarchi qui va sans doute aller au duel. Jeffrey Quarchi qui élimine un joueur. Le deuxième, Jeffrey Quarchi qui donne la frappe. Et la parade d'Arnaud Badigeon. À se retrouver face à deux joueurs, c'est pas forcément toujours la faute de celui qui est tout seul face aux deux joueurs. Oh, bien joué! Garitana, surface, c'est contré, on s'est sauvé encore! Le FBB Pézeron qui en jouant face au 18ème de ce championnat avait l'occasion de tenir dans la surface avec Jacky Meckmeyer, la frappe de Jacky Meckmeyer! C'est son vol! Jeffrey Quarchi qui a été servi, Jeffrey Quarchi qui peut peut-être s'emmener le ballon, Jeffrey Quarchi qui a fait le tour de son vis-à-vis, centre rentré, oh, c'est décalé par Blanc, la reprise de Fleurier, oh, c'est au-dessus. Attention là, parce qu'il les tire bien. Oh, c'est du bien, la parade de Maisonniel. Magnifique. Oh, la parade d'Anthony Maisonniel qui va dégager, et c'est fini au bout de pile les 5 minutes de temps additionnel.